mérite par exemple des gens que vous pouvez applaudir comme Terry Lowell par exemple. Voilà. Matt Sharp qui sera également présent sur ce plateau. Babylon Zoo aussi. Et le groupe de ce soir, Blur. Thank you for coming, thank you for being on this set. Merci d'être là, le voici, l'album que vous connaissez sûrement déjà, je crois. The Great Escape, donc, du groupe Blur. Est-ce qu'il y en a un qui parle français, Alex? Pas français?
Un petit peu. Un petit peu. On n'entend pas beaucoup le micro jaune d'Alex que l'on va entendre énormément maintenant. Un petit peu depuis... Oui, on peut parler en français ensemble Si vous voulez. Oui, oui. Ça va être bien. Ça va être bien. Alors, comment vous travaillez exactement? Qui s'occupe de tout? Est-ce qu'il y a un chef de groupe? Est-ce que vous travaillez chacun? Tous. Tous? Oui. Chacun, tous ensemble sur toutes les chansons? Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Les fondateurs du groupe? Comment? Les premiers dans le groupe, ceux qui ont fait naître le groupe? Les fenêtres. C'est vrai, les fenêtres. Ceux qui ont fait naître. The band is born with Graham and Damon. That's right, yes, yeah. At school. Voilà, d'accord. Long time ago. Au tout début, donc, c'était Damon et Graham. Damon, you met at school, in school heart, is that true? Ils sont rencontrés dans une école d'art. Yeah, I went at school with Graham. With my oldest friend. Graham, son plus vieil ami. So how do you work all together? Comment travaillent-ils ensemble? It's like a big argument, really. Yeah. Lots of mess and squeezing. Voilà, il y a beaucoup de bordel, il y a beaucoup de précipitations. I mean, you write music first and then the lyrics are all together. Sometimes everybody writes songs and give it to the whole band. Comment ça se passe? Ils écrivent d'abord les musiques, ensuite les paroles. Est-ce qu'ils y travaillent tous ensemble? Well, I'm simply the only one who writes the songs. But I mean, that doesn't mean that everyone else can if they want to. We all kind of think it's our band. Et tout le monde pense que c'est donc leur propre groupe. Mm. Ouais, c'est donc, travail dessus. D'accord. Il y a eu 4 albums dans la carrière de Blur. There is 4 albums in the whole career. What happens between the 2 first albums and the 2 last albums, Graham? What happened between them? Yeah. Everything. Between Modern Life is Rubbish and Parkway. It was a kind of a gap, a kind of a doubt in the band. Est-ce qu'il y a une espèce de fossé, une espèce de doute entre les deux premiers albums qui n'ont pas spécialement marché, les deux derniers qui sont carrément des cartons? Yeah, well, I don't really know what happened. Il ne sait pas ce qui s'est passé. I don't know. I suppose we may have toured and we may have gone on holiday or we may have. Ils ont pris des vacances. Rested or ils written. Ils se sont reposés. Ils ont écrit. Kind of, I don't know. D'accord. Went to parties, probably. Voici une espèce de best-of puisque ce soir nous allons faire énormément parler la musique. Voilà, sorte de best-of comme ça très rapide évidemment de la carrière et des succès de Blur. Very hot. Quand on lit les interviews, vous parlez beaucoup. When we read interviews, you talk about a lot of your influence, musical influences. Can you remind us what are these influences? Don't you find it difficult having that screen there? Sorry? Don't you find it difficult having that screen there? Oui. Wave yourself. Oui, on a. Alors donc la question était de savoir quelles étaient les différentes influences. What are your several influences, musical influences? Quelles sont ces influences, Damon? Star Wars was my influence, wasn't it? La première influence donc c'était la Guerre des Étoiles. The music and that was very good. You've got that. La musique était très bonne. Oui. The Alex aime bien. A stereo sound Odyssey. Yeah. Il y avait space. Oui, il y avait un son stereo qui space très bon. Odyssey. Space bon, music. Oui. Musique spatiale. Oui. But yes, but we like space music. And you, Dave? What? Sorry. What was the question again? Quelle était influence. La question? Je m'en fous de la question. It doesn't matter the question. Have a guess. Just give me an answer. Oh, well, there's always been a rock influence in our music. Toujours été une influence rock dans leur musique. That's bullshit. Voici donc le premier duo auquel vous allez assister avec Monsieur Terry. Oh, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Avec Blur qui va rejoindre Terry. Here we go. Monsieur Terry Hall et Blur pour ce titre Night Club. Money on.
Alors justement, cette chanson Night Club fait partie de, du best-of d'un groupe qui s'appelle Specials, pour ceux qui se rappellent du ska. Oui, il y a des fans. Oui, ben manifestez-vous alors les fans de Specials, voilà. Still Specials fans in the crowd, voilà. Il y a toujours des fans des Specials. Et dans ce groupe, il y avait ce monsieur Terry Hall, qui a fait également partie de Fun Bro 3, de Colorfield et de Vegas. How old is this song? Quel âge a cette chanson, Terry? Well, I used to listen to it when I was 14, so... And I was, il l'écoutait, lui, quand il avait 14 ans. I was 11, so... Et lui, il avait 11. I guess 14 years. Il y a donc 14 ans, voilà. Well, I'm 28 now, so... C'est ça, comme ça, ouais, c'est pareil, assez logique si Damon a maintenant 28 ans. Were you a fan of the Specials or ska music in the... Yeah, yeah, I mean, that was my big thing. Voilà. Specials were the cool ones and Madness were the poppy ones. C'était son truc, il aimait bien et les Specials et Madness. Maintenant, il y a Vegas, il y a eu Vegas, en tout cas une expérience que Terry a faite avec Dave Stewart et que l'on avait déjà présenté ici même sur ce plateau. So, what about your work with Dave Stewart? Sort of ended abruptly, really. C'est le problème, en fait, ouais. No problems, no. It was just a good idea to split up. I always like to split things up and... it's what's so attractive about tonight. It means I can just go home tomorrow after 3 minutes. It's fantastic, honestly. Donc en fait, c'était finalement une bonne idée de se séparer parce que en même temps, il peut faire ce qu'il veut, il peut évoluer tout seul. So you plan to have your own album released alone? Est-ce qu'il a l'intention d'avoir un album tout seul? No, I'm trying to get into the Guinness Book of Records for being the person who works with most bands. I've tried everything. I've tried eating potatoes, Marble Collection. But I'm up to... Il a tout essayé, c'est-à-dire de manger des patates, de faire aussi des collections de sirop d'érable. And potatoes. Et les patates, oui. Les patates, and I'm up oui. to 17 bands. I'm getting there. Oui, il en est maintenant à 17 groupes. Et je vais aller prendre un thé, moi. Non, j'ai juste dit tout ça. Donc, je crois que je vais même aller prendre tout de suite. Are you getting any interest by writing music or lyrics for other artists? Est-ce que Damon a envie d'écrire des chansons pour d'autres artistes? Well, Terry and me did something last year, but I don't think there's many people I really want to work with. And sorry, a little bit closer. Sorry. No, I prefer to do it with Blur, really. Voilà, je lui demandais donc s'il avait envie d'écrire des chansons pour d'autres personnes. Ils ont travaillé ensemble il y a un an, mais il a plutôt envie de travailler uniquement sur Blur. We have to wait till next year for listening to a new album, Terry? Or new potatoes, or perhaps new maple syrup? No, a new record. I'm about to start recording one in June. Voilà, au mois de juin, il se met... About another 4 years. Voilà. 5 years. Voilà, donc ça fera... Voilà. Donc, ça sera au mois de juin qu'il va préparer un nouvel album. Terry Hall, merci de l'accueillir. Et thank you very much. We'll be right back.
friends with me. Well, then you're friends with me. If you're down with me, well, then you're down with me. L'album Return of the Rentals de justement Matt Chubb avec cette chanson Friend of P, Friends pardon, of P qui figure sur cet album qui est un très 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 bon album. Just say it's a very 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 beautiful album. Qui Thank you. No, you're welcome. C'est un plaisir de le dire pour une fois ce soir. He's a very beautiful man. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est un quelqu'un de très très He's bien. He's a very beautiful man. Alors, avec sur dans cette ambiance, pour ceux qui aiment en tout cas le côté B-52s, Cars ou autre, c'est vraiment cette ambiance musicale. You agree when people say it could be produced by Rico Kozek or people like that? Est-ce qu'il est d'accord? It could be. Could have been. Not. Could have been. Sure. Or it is. It is. No. No. Ça n'a pas été produit par Rico Kozek des Cars, mais ça aurait pu en tout cas l'être. You are from LA or from New York? Il est de Los Angeles ou de New York? I'm deciding. Oui, il est en train de se décider. Non, I'm in between. Oui, il est au milieu. In fact, you are from LA, but you wish to be from New York. It feels better in New York. Ils sont mieux à New York qu'à Los Angeles, parce qu'apparemment dans les interviews, c'est ce qu'il balance. It's what you say in the interviews. Yeah. Oui. Il assume, c'est bien, ça fait plaisir. Been helpful, aren't we? Yeah. Sorry. Sorry, you say? Not been very helpful, are we? I'm moving to England and joining the Britpop scene. Voilà, il est en train de bouger donc pour rejoindre la scène pop. À propos de la scène pop, Damon, what you say in the interviews, sometimes we never know if it's first or second degree, so I'm sure you're just playing with that kind of fact. Il joue toujours avec le premier et le second degré, on ne sait jamais ce qu'il pense dans les interviews. But you used to say that you plan to be the best group in the world and you plan to split in 99 when you'll be the best group we in the world. Be the yeah. best band in the world. Yeah. Yeah. Yes. Yes. C'était donc un oui de Graham. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc ils ont l'intention de devenir. Si it has been written in stone. Voilà, c'est donc écrit dans la pierre, gravé dans le marbre. Ils ont l'intention de devenir le meilleur groupe du siècle, donc, et s'arrêter en 1999 à ce moment-là. Who's the best band at the moment for you right now? Oasis, definitely the best band, biggest band in the world. Oasis, best band. Oasis, c'est le meilleur groupe qui existe au monde en ce moment. And your opinion, Matt? The best band. Yeah. I mean, the one you appreciate the most. Hootie and the Blowfish. Hootie and the Blowfish, voilà. C'est le groupe qui... Well, if he picks Oasis, I guess that's my only choice. D'accord, donc lui s'est fait piquer la vanne, donc évidemment, il essaie d'avoir un nouveau choix. À bientôt, donc. Et nous allons nous quitter avec une série de chansons. Vous parlez français, monsieur Matt. Je vous représente quand même The Rentals. Écoutez cet album, je vous assure, il vaut vraiment le déplacement. Thank you for being the guest of Blur in this set. The Rentals. Thank you. Et on va se quitter avec une série de chansons, monsieur le chanteur. Yeah. Et en attendant, j'aimerais tellement vous parler de nos futurs agitateurs. On y va.
most accommodating when she's in her lingerie. What swapping is the future? You know that it would seize ya. Yeah! Suicide.
It's called Country House. Bonne soirée, il fallait le vivre pour le croire. À bientôt, ciao.